Bonjour tout le monde, c'est Karen de Kisscrap. Je viens vous présenter la box d'août 2020. Une box un petit peu particulière pour moi puisque vous allez retrouver la deuxième collection de Kisscrap qui s'appelle Collection hier, aujourd'hui, demain. Donc voilà, c'est un petit peu d'émotion. Je vais tout d'abord, l'associer avec un combo dans les tons verts. Là, vous allez retrouver, avant de vous présenter tous les papiers de la collection, vous allez retrouver les cartstocks qui sont dans la box d'août. Donc, un cartstock un petit peu plus vert bouteille. Un cartstock de chez Basile, embossé à pois, que j'aime bien comme d'habitude, qui s'appelle Irish Haze. Donc les yeux irlandais. Hop, et un troisième basil, un vert citronné, un petit peu plus pétant, de chez Weissen Creative. Donc, voici pour les trois cartstock. Je vais monter un petit peu plus. Ensuite, un premier papier qui ne fait pas partie de la collection. Je garde le suspense. Un papier à pois blanc sur un fond vert moyen, vert clair. Il n'y a qu'une seule face. Ensuite, bon, je vais vous présenter la collection de Kisscrap. Donc, il y a cinq papiers recto verso. Donc le thème hier, aujourd'hui, demain, ça va vous parler du temps qui passe. Donc à peu près un premier papier. Donc on va retrouver un petit peu ma touche de mix and media avec des taches. De l'autre côté, un imprimé plutôt turquoise vert, marqué tic et tac. Tic tac, pardon, pas tic et tac. Voilà. Un deuxième imprimé dans les tons vert acidulé, vert bouteille. Il est temps, it's time. Celui-ci s'appelle Demain nous appartient. Le verso est un quadrillage vert. Troisième papier qui s'appelle En temps ordinaire, toujours avec des petites taches et puis un petit calendrier. Je vois bien entourer les dates, la date qui correspond à vos photos. Et le verso, un quadrillage, mais cette fois noir. Quatrième papier, il s'appelle Prendre du bon temps. On retrouve le quadrillage avec des parties colorées, une horloge, un réveil. Et de l'autre côté, de la patouille un petit peu verte acidulée, jaune. Et dernier papier qui s'appelle À tout jamais, avec des écritures, des expressions sur le temps. Et de l'autre côté, de la patouille verte et rouge. Voilà. J'ai associé pour les embellissements, pardon, une feuille que vous retrouvez aussi dans la collection avec des cartes Project Life qui rappellent toujours le temps qui passe, avec un verso, cette fois avec des lignes. J'y ai associé deux planches que vous retrouverez également dans la collection complète. Donc, il y a une planche avec des étiquettes de toutes sortes dans le combo des papiers. Avec un verso plutôt jaune-vert. Et voilà la deuxième planche avec des lettres pour que vous puissiez faire le titre que vous désirez. Et puis des tas de mots qui correspondent au temps qui passe. Voilà. Un peu facile à retrouver sur toutes vos créations, à utiliser sur toutes vos créations. Et puis j'ai ajouté un papier supplémentaire pour les embellissements, bah, des horloges. Voilà, toujours pour le temps qui passe. Qu'un verso un peu plus
Vintage. Voilà, pour les embellissements papier, ce que vous retrouvez dans la box d'août, c'est un petit crayon de Néocolor 2. Hop, pardon, je suis trop loin. Il y a différents coloris. Ce sera dans les tons, évidemment, de la box. Donc, ça, vous retrouverez. C'est la petite chose qui vous restera. Un petit ruban dans les tons verts avec du feuillage. Deux petites pinces en métal. Toujours sympa sur des réalisations. Deux porte-étiquettes dans les mêmes tons que les petites pinces, coloris bronze. Et quatre mini brads dans les mêmes tons. Et sans oublier le badge assorti à la collection de Keyscrap. Il y en aura deux autres qui feront partie de la collection complète. Voilà, j'espère que la box du mois d'août vous plaît. Elle est en tout cas plein de peps et des coloris tout pétants comme moi j'adore. J'espère que vous réaliserez tout plein de belles choses avec tout ça. À bientôt! I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying.